Bonjour à tous, tout le monde. C'est Professeur Mesmer 4 et on se retrouve pour notre troisième partie de notre un mode une survie numéro 1. Et donc dans l'épisode précédent, nous avons trouvé 4 minerais de fer. Il ne nous manque plus que le silex. Attends, si je me trompe pas, j'avais mis les torches comme ça pour sortir. Et donc, de l'épisode précédent, on a survécu désespérément en gardant un demi-cœur. Si ça, c'est pas la volonté de vivre. Attends, j'ai rebouché ça, attendez. Bon, premier fail. Voyons voir. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Non, faut que j'arrête les blagues de merde là. J'ai même pas idée. Non, c'était pas par là. Parce que là, on se rapproche plus de profondeur insondable du monde de Minecraft. C'est plus par là, oui. Le mec qui se perd dans sa propre mine, qui a creusé lui-même au prix d'une faim insatiable. Et d'une destruction des vies sociales. Non, à ma connaissance, c'était pas par là. Je suis con. C'est par là. Un petit problème avec les torches. On dirait. L'entrée de la mine était ici et ah blablabla waouh, c'est DayZ ma gueule, je suis armé d'une hache. Ah putain, c'est quoi ce boost qu'il a pris quoi? C'est pas bien pousser les gens, José, et c'est pas bien de quitter une tornade. Donc nous disons, en plus le jour se lève, hein, perfect timing. Putain, est-ce que je rêve ou c'est une réunion de creepers? Ok, bon, on va pas trop s'approcher d'ici, hein, on va passer la nuit. Là, on va pas attendre le soleil. En plus, c'est cool, regardez-moi ces décors. Wa bla 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 bla. Putain! Non! Pouh. On a eu chaud. Dans tous les sens du terme. Lol. Bon, il y a un zombie qui est mort pas loin. J'ai entendu la décomposition accélérée. Donc, oui, bon, nous avons du silex. Faisons fondre notre fer. Allez, mangeons surtout. Nous avons plus... Ah, blablabla. Tac, tac, tac. Ok, donc, nous en mettons notre affaire ici. Y'a rien d'autre à faire cuire? Non. Donc, attendez, j'essaie de me remémorer un peu des crafts. Alors, il fallait quoi? Il fallait du fer, du silex, et... Ouais, il faut une fin de silex de fer. Et voilà, donc enfin, je récupère juste le dernier lingot de fer. Voilà, donc maintenant on va pouvoir se lancer dans la chasse au donjon. Parce que oui, les derniers ingrédients de craft sont des trucs qu'on peut trouver soit dans le Nether, soit dans le donjon. Donc je n'ai pas d'obsidienne sur moi. Et j'ai mis tout mon inventaire dedans. Donc on va garder ça. On n'a pas de pioche en fer, mais bon, ça n'est pas très utile. Le fer, le pickaxe.
Il faudrait un truc qu'on puisse distinguer de loin cette cette mine. Mais si on n'est pas réveillé ce creeper. On l'a fait, on l'a réveillé. Eh merde, blablabla. Regardez comme il dévale là. Voilà, c'est comme ça qu'on esquive l'assaut d'un creeper. Disons, mettre une signalisation sur les... C'est un fail. Et c'est un second fail. Donc, nous allons mettre, je disais, une signalisation sur le sommet de notre mine. J'allais dire sur le toit, mais bon, une mine n'a pas de toit. Donc, nous voici au... Pas encore. Nous voici donc au sommet. Enfin, techniquement, le plus au sommet, c'est là, mais je suis là, tiens, d'ailleurs. On va faire, ouais, faire, ah, blabla, ah, blabla! Bon. Je suppose que c'est comme une assez bonne signalisation. Bouton! YOLO! Ah, bon, j'ai fait de même. Je partage le même sort que le mouton, sauf que le mouton, lui, il meurt. l'entrée de la mine était là-bas. Aga! Voilà. Donc. Disons. Prenons de la cobble du... Pas ça, ça, voilà. Non. Ça. Une petite épée en pierre. Pour les donjons, qu'est-ce qu'il faudrait? Des torches. Bon, enfin. Voilà. Des rations de survie, genre par exemple, bon, on n'a rien, donc on va partir chasser les moutons. Ah, c'est une bonne réunion de moutons, ça. Bon, je m'attendais plus à avoir de la viande. Merci, les moutons, vous n'êtes pas très généreux aujourd'hui. Donnez-moi de la viande! De la viande! C'est pas de la laine! De la viande! De la viande! Bon. Je crois que j'ai chassé autre chose que les moutons. du poulet, du poulet, du poulet, ou du cochon. Ou de la vache, tiens, aussi. La vache, ça donne beaucoup de viande. Reste en place! Reste en place! Voilà. De la viande. De la viande. Et de la viande. Voilà. En même temps, un peu de cuir. On va pouvoir s'ouvrir un McDonald's. Donc. Ils ont immédiatement cuire cette viande. Et ils ont mettre cette laine en mesure avec le cuir. Ils ont, on peut garder un cobble, tiens, et puis on va prendre un peu de pouce. Et on va prendre une table de craft mobile. Là, un peu de viande.
J'aurais bien dit de l'armure, mais non. On y va comme ça. Va prendre une pioche. Hein. On n'est jamais trop sûr. Avec un peu de charbon. Non. Voilà, ça sera parfait. Ensuite, nous prenons notre dernier morceau de steak et nous partons! Il y avait du cochon ici. Hop là, saute cochon. Donc nous partons pour les donjons. On a quand même de sacrés décors ici. Regardez-moi ça, des arches, des montagnes. Attends, j'ai mangé là parce que. Voilà, ça suffira. Donc il nous faut un point de départ. Parce que la façon la plus simple pour acquérir les items dont on a besoin, c'est d'aller faire des donjons. Parce que se battre contre une bonne armée de Blaze, enfin d'incendie. Donc pour l'instant, nous n'avons pas une signe de donjon. Oui. Voyons voir. Bon, nous sommes en plein cœur de la biome champignon, de forêt champignon. Par contre, on ne trouve pas de mushroom, de champignon. Ah tiens, regardez là-bas. Je crois que c'est un biome mycélium. Ou pas. Sinon, il faudrait creuser pour essayer de trouver des mineshafts. On fait comme ça, on creuse pour les mineshafts. Oula! Waouh, c'est quoi ça? Clong. Bon, c'est pas grave, j'avais ma table d'artisanat sur moi. Hop là, on se fait une pioche à l'aveugle parce qu'on n'est pas des tarlouses. Hop là. Je comptais bien partir, oui, sur une chasse au donjon. Mais étant donné la version avec laquelle je joue, je suis même pas sûr qu'il y en ait. C'est pour dire.
Bon, pour l'instant, il n'y a aucun assaillant sur notre mine. Notre santé et notre faim sont satisfaisantes. Je dirais qu'on commence plutôt bien. Pourtant, j'entends des zombies pas loin. Peut-être des types qui sont juste au-dessus de nous, juste à côté, prêts à sortir des murs. On sera pas. Oh, waouh, poisson d'argent, poisson d'argent, poisson d'argent. Waouh, c'est lag. Sors ton épée, sors ton. Rebonjour, chers élèves. J'étais contraint de faire une ellipse. Pardonnez-moi, mais nous ne pouvons pas progresser dans cette mine à cause de ces poissons d'argent. Donc, pour remédier à ça, j'ai décidé de partir à la chasse aux creepers. Donc nous avons 4 poudres à canon et ces jolies fleurs que j'aime bien. Et donc maintenant nous allons chercher du sable qui est juste là, afin de pouvoir fabriquer des explosifs et éradiquer efficacement ces pestes noires. Bonjour. Tu oses? Tu oses? Tu oses? Tu oses? Ces zombies. Ils viennent pour se suicider. Ah, blabla! Tu oses? Tu oses? Tu oses? Tu oses? Ouh, nous avons eu un arc gratuit, cela dit. Mangeons. Mangeons. Ah là! Hey, c'est pas du jeu! C'est pas du jeu! C'est pas du jeu! Non! Non! Ah putain de merde! Donc, après cette défaite brutale, nous allons récupérer notre équipement en esquivant ce squelette! Ah, Brain. Donc j'étais mort pas loin. Bonjour. Je peux contourner? Merci, ouais. Donc nous étions allés par là. Ensuite nous avons passé cette arche. Nous avons escaladé ceci. Et nous étions partis pour le. J'ai cru voir un donjon de moment. Nous étions donc partis pour ce petit biome mycélium jusqu'à être arrivé à une montagne. Je me suis cassé une jambe au passage. Bon. Voilà. Je me souviens d'avoir passé ce champignon. J'ai vu des vaches, des moutons, et ça. Par contre, après où c'est que je suis allé? Par là? Oui, par là, oui. Je crois bien, oui, j'avais mangé un peu cette plage. Et bon, voilà la montagne, nous sommes morts. Maintenant, nous allons aller du bon côté du versant, enfin du bon côté de la montagne, pour pouvoir récupérer notre item que nous avons perdu parce que un putain de squelette nous a lâchement assassinés.
Ils sont morts par eux. Les cavernes. Oh merveille. Bon. Quoi plus? D'accord. Ah, puis! Je me suis juste cassé une jambe. Ça va, mes chers amis. Nous étions par où? Alors, voici donc le... Attends, non. Oh. Bon, bah, ceci était une ancienne mine que nous avons abandonnée parce que c'est putain de squelette encore. Par contre, enfin, pour la mine, c'est bon. Mais pour les items qu'on a perdu, où donc est-ce? Ici. Oui, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Donc, tout est bénéfique. Nous avons notre poudre, nous avons notre sable. Et maintenant, nous avons... retourner à notre mine. Minas. Ouais, bon. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, chers élèves. Vous pouvez vous abonner, aimer cette vidéo si elle vous a plu, la partager et surtout de la commenter. Et donc je fais un magnifique chant pour vous parce que je vous aime. Allez, à plus!